9 mars au vendredi 11 mars 2016, un groupe d'une quarantaine d'élèves du lycée Françoise de Grasse a pu partir à la découverte d'Amsterdam. Avec la participation de la mairie du Havre. Nous avons pu parcourir les collections du musée Van Gogh. Visiter une fromagerie avec une très bonne dégustation. Pour ensuite partir découvrir le fameux musée Microbia, le seul musée microbiologique d'Europe, avec toutes ses activités bien sûr. Et enfin, parcourir Amsterdam et flâner sur ses canaux. Ce voyage a été très éducatif, constructif, amusant, un peu court. Trop court. Trop court. Et il y a eu des conséquences surprenantes sur les élèves du lycée. Depuis que nous sommes rentrés, certaines personnes ont développé des coutumes étranges ramenées de Hollande. La coiffe hollandaise est devenue la nouvelle mode chez les filles. Dans certaines classes, les gens ne s'habillent plus qu'en orange. En tout cas, tout le monde a ramené quelque chose d'Amsterdam. Vous êtes là. Mais surtout... Et vous avez rencontré des gens? Oui. Est-ce que vous avez parlé avec des étrangers? Oui, des garçons. Un beau garçon. Ah. Des beaux gosses. J'ai surtout adoré me promener dans les galeries marchandes d'Amsterdam. Ces rues étaient magnifiques et un quartier m'a beaucoup plu, le quartier rouge. Alors ce que j'ai trouvé d'étonnant et de surprenant à Amsterdam, c'était de voir tous les vélos qu'il y avait dans les rues. Et surtout à quel point c'était une ville propre. Et j'ai beaucoup aimé aussi la visite de la fromagerie le dernier jour. Moi ce que j'ai préféré à Amsterdam, c'est qu'on a pu aller au pont de nos étoiles contraires. Et on s'est même assis dessus. Ce que j'ai adoré à Amsterdam, c'est que leur culture est très différente de la nôtre. Il y a de la couleur partout et leur architecture est très originale. J'ai adoré Amsterdam parce que j'ai bien aimé les péniches. Il y en avait certaines qui étaient vachement modernes. Le fait que tout le monde soit à vélo, c'était vachement agréable à voir. On a aussi rencontré des Hollandais, on a fait une partie de basket avec eux, c'était vachement sympa. Et le fait aussi qu'on puisse vivre ensemble tous les camarades.